De fin, c'est Mathieu qui va parler. Je sais pas si c'est Mathieu qui se prépare. Scène 2, le mec, c'est un grand angle. Ouais, c'est un grand angle. On le voit mieux, il est beau gosse. Mathieu qui se prépare. Scène 3. Eh bien, salut tout le monde, les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. On est en compagnie avec Jean Lenul qui tient actuellement la caméra, donc la PGW 2018. Pour la première journée, on va vous raconter un peu qu'est-ce qu'on a fait, nos ressentis. Donc on a commencé la journée par un petit tour global, on va dire, des stands, qui était très intéressant. La gestion du monde était un peu plus compliquée que l'année dernière, mais bon, ça, on n'y peut rien. En termes après de jeu, on a testé un peu Black Ops 4, même s'il est sorti il y a un mois, bon, c'est pas mal quand même. Bon, 2 heures de queue d'attente, c'était un peu la merde. Demain, on réserve Battlefield 5 à la première occasion, donc dès qu'on voit, vu qu'on est à l'hôtel juste devant, on vous fera un petit plan tout à l'heure, on fonce directement genre à la queue, comme ça, Battlefield 5, on est à fond dedans. Et puis après, en termes de ressenti global, le PlayStation, encore une fois, mettait l'ambiance, vous le verrez dans la vidéo, c'était vraiment un truc de malade. La priorité, c'était de vous faire vraiment un bon gameplay pour aujourd'hui, et demain, on vous réserve aussi pas mal de surprises. Donc on se retrouve ce soir à l'hôtel, les gars, c'est parti. Bon, bah voilà, on est avec Jean Lenul, on vient de rentrer dans notre chambre, sauf qu'on vient de découvrir qu'il n'y avait pas de courant dans la chambre, super, 4 étoiles, Mercure, les gars, galère des touristes. Du coup, bah, on va aller à l'accueil, on va demander le courant quand même, parce que bon, c'est pas qu'on aime pas le courant, mais c'est quand même plus pratique. Je vais pas être dans le noir avec Mathieu, mais... Bon, il y aura pas de balcon, du coup, on pourra pas vous faire de petites séquences sur le balcon, mais on va prendre... On a une belle vue sur l'entrée de la Paris Games Week. On est au 6ème étage. On sera les premiers. On est au 6ème étage, on aura une putain de vue. Allez, à tous les gars. En fait, on est débiles. Voilà, c'est ça, on vient de redescendre à l'accueil, et en fin de compte, c'est juste qu'on n'a pas mis la carte dans l'orifice qui est fait prévu pour, du coup, pour mettre le courant, en fait. Pour valider comme quoi on est dans la chambre. Voilà, c'est ça, du coup, bah, voilà. On est con. On est des touristes, quoi, les gars. Lâchez un like si vous aimez. Et re les potes. Salut les amis. On est dans notre chambre d'hôtel, donc comme vous pouvez voir, c'est assez confortable. Donc... Mais attends, le meilleur, c'est la vue. Ouais, ouais, je vais vous montrer la vue quand même. Alors, on est juste en face de la PGW, donc... Alors, du coup, voilà, comme vous l'avez pu le voir, on a une putain de vue, on a la vue sur la queue de la PGW, donc demain, minimum une heure avant, on y sera. Ouais, comme ça, au moins, on sera tranquille, on va foncer directement à BF5. Du coup, vu que Tanguy, tu m'as pas parlé de ton ressenti global, qu'est-ce que je pourrais dire? Et bah, la Paris Games Week, c'est toujours aussi fun d'y être. Tout à fait. Sauf que mon expérience, c'est que au fur et à mesure des années passent, moi, j'ai ce sentiment, pardon, de cette Paris Games Week magique qui perd en. C'est plus, c'est pas pareil en fait. Déjà, faut savoir que cette année, le monde apparemment a été multiplié par 1,5. Au niveau des queues, bah, c'était un peu le bordel. Des fois, il y a des queues. Ouais, il y a des queues toutes courtes. Tu sais pas trop en fait. C'est pas super indiqué, je trouve. Et puis, ouais, l'ambiance, je sais pas, c'est plus pareil qu'avant. Parce que les premières fois qu'on était. Peut-être mal s'adapter à l'influence qui augmente chaque année. Sûrement. Bon, heureusement que PlayStation était là pour remonter le level parce que sinon. Ouais.
Le show de fin de PlayStation, c'est toujours aussi... Tous les soirs, mon PS4 a gagné, bon, voilà, avec le max de musique, le max d'ambiance. Bon, le seul truc un peu chiant, on va dire, je trouve, chez PlayStation, c'est que c'est toujours les mêmes musiques qui repassent tous les ans, avec les mêmes slogans. Et c'est des musiques qui ambiance. Ouais, c'est des musiques qui ambiance, ça va, c'est sûr. Et puis le stand aussi cette année chez PlayStation, il était vraiment genre, trois fois plus grand que Xbox quoi. Ouais. Même le truc qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le stand Fortnite. Ah bah Fortnite, il y en a dans tous les stands. C'est le stand Fortnite cette année, franchement, si vous n'êtes pas allé, bah franchement, c'est dommage pour vous. Parce que bon, nous c'est pas trop notre délire Fortnite, mais ça prenait vraiment toute la place. Sur tous les stands, quasi, il y avait des écrans où on pouvait jouer à Fortnite. Voilà. Du coup, nous on va passer une bonne petite nuit là. Reposer pour demain. Ouais, parce que là, putain, on est mort. Putain. Un bon dommage. Commencer à transférer toutes les vidéos. Et puis, on se retrouve à demain, les gars. À demain. En relais pattes, jour 2 de la PGW. Il est actuellement 7h et on se fait des couilles. Ouais, les gars, on se fait des couilles. Littéralement, c'est clair. Du coup, on a déjà nos billets. Ben, on rentre en fait par la deuxième queue et il n'y a personne. Donc, on va y aller tout de suite chercher le petit Battlefield 5. Et bon, on dit ce soir. Salut tout le monde les amis, c'est la fin de la PGW, la fin du jour 2. On a passé une très bonne PGW comme d'habitude, même si, comme on vous disait hier soir, de plus en plus de monde y a, et du coup bah, les queues sont un peu compliquées, les youtubeurs fuient un peu la Paris Games Week, du coup c'est un peu compliqué quoi. Comme vous avez vu, j'ai pu choper une casquette PlayStation, comme Tanguy, donc la petite casquette qui fait plaisir. Vous avez vu normalement dans les séquences que on a eu une petite dédicace avec Skyrose, donc j'ai réussi à me faire dédicacer un t-shirt plus un petit poster, on va dire scuff, avec la petite photo officielle avec l'équipe de notre vlog. Moi je vous dis merci de regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, la faire partager, et moi je vous dis salut tout le monde.